Messieurs, dames, bonjour. Alors non, ce n'est pas le matin. Il est 5 heures, mais j'ai roulé 6 heures environ pour arriver ici. Donc là, je me suis pris une nuit dans un petit chalet. Je suis pas très loin de Québec. Et l'objectif de mon voyage aujourd'hui, ça va être de faire la Gaspésie en solo, moto-camping, sauvage bien évidemment. Donc normalement, ça devrait durer 7-8 jours. Si tout se passe bien, touchons du bois. Le projet de demain, c'est je pars du chalet vers entre 9h et 10h du matin. Je prends la côte nord, donc je remonte le fleuve du Saint-Laurent en direction de Saint-Simon pour prendre un ferry. Un ferry, je vais jusqu'à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, je remonte pour trouver mon prochain campement pour demain soir. Faut pas que je rate le ferry. Il y a un ferry à 9h30 et un autre à 14h. Puis que je vais prendre celui de 14h. Permis. J'y vais tout seul là. Bon, pour ce soir. Jambalaya au poulet grillé. Ouf. Ça sent bon. Pardon. La dernière fois, les nouilles, elles sentaient bon, c'était pas bon. Remplir jusqu'à la ligne 8. Ça sent très 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 bon. On va mélanger puis on va laisser ça reposer 10 minutes. Ouais, j'imagine qu'il fallait s'y attendre un truc. Jambalaya, ça sonne épicé. Ça va, c'est pas mauvais. Peut-être manque un peu de sel. Bon, les aurores boréales, c'est complètement raté. Y a des nuages qui sont apparus, fait que je les verrai pas, malheureusement. En espérant que quand je serai en vraie nature, dans mon petit camping, dans mon petit spot au bord de Saint-Laurent, de la rivière, en haut de la montagne, c'est mes objectifs de site de camping. Bonne nuit! Bonjour.
Peut-être faire une semaine comme ça en fait, c'est bien. C'est bien ça aussi. Et en plus, il y a le lever de soleil. Parfait. Allez, c'est l'heure du café. J'ai à peu près 2 heures devant moi. Oui, je suis un peu tombé malade avant de partir. On va faire avec. En tout cas, la vue ici, magnifique. Une petite douche, j'ai déjà refait mes sacs tout à l'heure. Je vais pouvoir aller les installer sur la moto tranquillement et puis bon, on va être prêt à partir. J'ai oublié de mettre la sortie à la poubelle. Thank you.
aura pas de camping finalement sauvage ce soir. J'avais trouvé un endroit, mais il y a une voiture qui me suivait, c'était un peu bizarre, étrange. Je commence à être vraiment fatigué, il est 17h30. J'ai quand même 5-6 heures de voyage dans les pattes là. Donc là, j'ai trouvé un petit spot de camping, je l'ai déjà réservé. C'est pas plus mal, c'est dans un parc national. Normalement, j'évite de faire ça parce que je vais être au calme, je vais être tout seul, je vais être tranquille. J'espère que ça va être le cas, on verra. Au moins, je sais que j'ai un endroit pour dormir. Bon, je suis arrivé, c'est pas parfait. On entend la route à côté, enfin, c'est pas du tout ce que je voulais, mais ça, ça va être mon spot pour la nuit. Je vais défaire le sac, je vais installer la tente. Allez, je vais faire pipi, parce que j'en peux plus. Hop. Attention. Les gens, le trafic, exactement tout ce que je voulais éviter. Regarde, c'est pas belle la vie quand même. Petit chausson. Pâte aux champignons. Mais attention. Sont très bons. Ouais, il fait un peu frais. J'ai sorti la doudoune. Crois-moi que ça fait du bien. C'est l'heure du dodo. Sous le doux son de la route. Un plaisir. Bonne nuit. À demain. Bonjour. Il fait froid. Bon, un petit café tranquille avec le lever de soleil. Oh, je vais dans le nuage. Thank you.
Ah, c'est magnifique. Oh, ça sent bon. L'air, il est frais. T'as un mélange d'air marin, d'arbres. Ah, oh, c'est fou, je sais pas si on le voit à la caméra. C'est plein de petites particules d'eau. C'est fou. Ouais, avec la lumière, ça fait un truc magnifique. Seul. J'ai acheté deux bricoles, un stick à lèvres, parce que ça va me sauver la vie. J'ai plus de lèvres avec la route. On va faire ça, je vais mettre mon col parce qu'il fait frais ce matin. Et puis on va décoller. Bon, je change les gants, c'est un peu frais là. Magnifique le paysage. Oh, oh l'air marin. Bon, bah j'étais malade avant de partir. Je sais plus. C'est agréable. Bon, je passe ta faim, moi j'ai faim. Je me couvre parce que là, il fait bon, mais quand je roule, il fait froid. Parti. Thank you.
J'ai mal aux fesses là. Et encore, je reste poli. Ah. Bon, alors, je suis où là? Bon, ça va, il me reste 30 minutes. Oh, comment c'est calme. Tiens, regarde. Si j'arrive à dévisser ce truc. Bon, je vais aller voir sur la jetée là-bas. Juste histoire de se balader un petit peu. Et ensuite, eh bien, je pense qu'on va aller direction le spot. Putain, j'ai l'air d'un bandit comme ça. Magnifique journée. Splendide. Je resterai bien là campé. Bon, c'était une magnifique pause. La pause est terminée, bien évidemment. Donc là, on va faire demi-tour. Et puis... Allez, directement au campement. Oh là là, regarde, j'ai un truc immonde là-dessus. J'ai du sang, nickel. Il me manquait juste ça comme accessoire. Là, je suis un vrai. Déjà un spot de feu. La dernière fois que je suis venu par ici, il n'y avait rien du tout. Bah, c'est encore mieux. C'est-à-dire que finalement, je vais pouvoir faire un feu.
Alors, j'ai tout sauté. Il me reste juste une petite chose à faire, qui est d'aller chercher de l'eau. J'ai ramené mon filtre à eau. J'ai à peu près 1,7 litre. Pour ce soir, c'est largement suffisant. Je me connais, j'aime bien boire la nuit. Là, j'ai les lèvres un peu sèches, pardon, avec la route. Tout à l'heure, je sentais le man de tête venir. Donc, on va commencer à bien boire, quitte à aller souvent se lever la nuit, aller aux toilettes. C'est pas grave. On la voit pas trop, là. Tadam ! Tout à l'heure, je me suis acheté au petit chaque snack, je me suis acheté des saucissons. Ça, ça va faire plaisir. Le filtre à eau, super important. Pourquoi ? Parce que demain, je vais quitter la côte pour rentrer plus dans les terres, parce que j'ai envie de voir un peu plus le côté montagneux, même si j'admets que le côté longer le fleuve est extrêmement apaisant, se trouver des petits coins au bord de plage comme j'ai montré. Je vais chercher de l'eau, je vais faire ça, je vais remplir les gourdes à fond. Pour ce soir, je vais juste prendre ce qu'il faut. Demain matin, je vais le faire plus sérieusement. Mon objectif, c'est que demain soir, je me trouve un camping sauvage dans les hauteurs, avec une vue, si possible, complètement dégagée. En tout cas, devant moi, ce serait magnifique. Je te fais un petit tour avant que le soleil se couche. Je te présente Lily. Donc ça, c'est mon destrier. Là, c'est juste mon chauffage. Ma cuisine, c'est ça. Ici, c'est le salon. Et à l'intérieur, mon petit cocon pour dormir, lire, écrire, dormir, lire, écrire, dormir, et puis dormir encore. Bon, en fait, j'ai fait un loft. Allez, ah ouais, elle est fraîche. Ah ouais, ouh la vache. Combien là? 4 litres. Bon, je prends 4 litres ce soir et puis il en reste demain. Puis je la mets ici parce que c'est quand même 4 litres, 4 kilos. Je peux pas l'accrocher sur la tente et j'ai pas d'arbre. Il y en a, mais plus loin, fait que je vais l'accrocher ici. Il y a des trucs qui piquent là-dedans. C'est un peu chiant, l'eau est pas assez haute. En plus, ça marche mieux. Je me pose enfin. Le petit sous, le 1-2, petit sous, 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 yo, sous, le. Saucisson de tout à l'heure. On est sous vide. Saucissette de Kamouraska. J'ai du mal à parler là. Saucissette de Kamouraska, herbe du jardin. Ensuite, on va manger ça. Bœuf Kung Pao. Jamais goûté, et j'en viens de remarquer que c'est deux portions à chaque fois les plats que je mange, et je les mange tous. Comme quoi j'ai faim. Mais bon, on va même pas couper. Oh, il y a l'humidité qui commence à remonter là. Soleil qui est parti. T'as compris, commence à cailler. Je vais chercher ma doudoune.
Bien dodo ce soir. Ouais, j'ai sorti la doudoune. Il fait frais là. Ouais. Puis il y a un... C'est très très léger, mais il y a une mini brise. Tu la sens bien passer. Ah, et le plat que j'ai pris là, le bœuf Kung Fu Tao, je sais pas quoi. Pao. Kung Pao. Il arrache. Oh, ça pique. Asian style. Ah bah ouais. Ah oui, ça c'est clair. Mais oui, c'est bien sûr. En tout cas, ça va me réchauffer, c'est bien. Prendre ça, allumer le feu, un petit thé. Si j'arrive à écrire, au pire j'écrirai dans la tente. J'aimerais bien réessayer de prendre des photos aux étoiles, mais j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, mais c'est compliqué. La lune, elle, c'est presque la pleine lune ce soir. Pardon. Donc pour faire de la photo d'étoile, comment dire, très compliqué. On verra. Bon app. Faire un feu pour se réchauffer un peu là. De remplir ma gourde pour la nuit et de boire de l'eau tout court. Ah, c'est mieux. Ah, c'est bien, ça réchauffe. Ah, c'est tellement ridicule. Ça manque un peu de pratique cette affaire. Bravo tout le monde. Mince, j'ai perdu. Allez, fort du chaud. Des fois quand je suis en camping, je me dis, aujourd'hui on a de la chance. On est dans des maisons où on a de l'électricité, donc on a de la lumière même quand il fait noir. On a de l'eau potable quand on a soif. Je sais, ça dépend des pays. On veut trop, tout le temps, tout de suite, dans la seconde. On a perdu le plaisir des choses simples parfois.
pas froid, ça c'est juste rafraîchi. Par rapport à hier, j'ai pas du tout froid dans la tente. J'ai changé une chose. J'ai pris ma tarpe que j'avais pendant le canoë camping la dernière fois. Je l'ai mise en dessous. Quand je mets ma main sous le sol là, c'est complètement sec. J'ai pas du tout d'humidité qui passe à travers. Donc j'ai pas froid. Mon matelas, il est droit. Hier soir, je l'ai pas dit, mais j'étais complètement de travers. C'était pas du tout droit. Mon matelas était comme ça. Et qu'à chaque fois, je glissais sur le côté droit. Ah, l'aventure. Je suis sur toi, dans ton canapé, dans ton bureau, dans le métro, si on regarde sur son téléphone, ou je sais pas où, t'es en train de te dire, mais pourquoi les gens ils font ça? Là, je vais m'étirer un peu, je suis un peu fracassé de la route, sur ces belles paroles. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle est gelée l'eau? Ah, ça fait mal.